Bonjour Rosine Bachelot. Bonjour Saskia. Tout va bien. Demain, c'est une date anniversaire tout à fait particulière puisque c'est l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz le 27 janvier 1945. Auschwitz où furent assassinés plus de 1 million d'êtres humains juifs en quasi-totalité. Alors que partout nous voyons ressurgir en Europe les actes d'antisémitisme, le devoir de mémoire est impératif. Certains livres sur la Shoah sont indispensables à lire. Beaucoup sont des chefs-d'œuvre absolus. Pour ma part, j'en retiens trois. Si c'est un homme de Primo Levi, aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo, et bien sûr le Requiem de Térésine de Joseph Bord. Je défie quiconque de ne pas terminer ses ouvrages en larmes et le cœur serré. Mais j'ai un attachement particulier pour ce Requiem de Térésine et j'ai décidé de soutenir la démarche de Vincent Simonet, baryton, fondateur de la compagnie Vive Opéra. Sans doute marqué par la déportation de son grand-père résistant à Dachau, il souhaite, avec le metteur en scène Carmelo Agnello, qui fut collaborateur de Patrice Chéreau, partir d'un travail expérimental réalisé à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille pour porter le message poignant et magnifique sur différentes scènes, mais aussi à travers un documentaire et un film. Revenons donc précisément au livre de Joseph Bord, résistant tchèque, ayant participé à l'assassinat à Prague du criminel nazi Reinhard Heydrich, un des principaux organisateurs de la solution finale. Il arrive donc en 1942 à Térésine, un ghetto organisé pour parquer les juifs tchèques et les juifs allemands célèbres. Les conditions y sont effroyables. Sur les 144 000 juifs emprisonnés dans ce camp, 33 000 meurent à Térésine. La presque totalité des autres partiront pour être gazés à Auschwitz. Là, Joseph Bord rencontre Raphaël Schachter, un chef d'orchestre emprisonné depuis novembre 1941 et qui a fait le projet fou de faire chanter le Requiem de Verdi à un orchestre composé de juifs déportés. Orchestre, chœur et soliste. Il va y parvenir. Au départ, régulièrement, les nazis déportent certains de ces musiciens. Ou alors, ce sont les conjoints et les enfants de ceux-ci qui sont envoyés à Auschwitz et les musiciens veulent mourir avec eux. Schachter se désespère, mais continue avec acharnement. Il obtient des nazis deux choses, qu'ils puissent continuer ses répétitions et que c'est tous ensemble qu'ils partiront à Auschwitz vers les chambres à gaz. Schachter et ses musiciens, effectivement, furent gazés le 16 octobre 1944. C'est le message sublime de ces juifs chantant une messe de requiem catholique face à leurs bourreaux, dont Adolf Eichmann lui-même, comme l'assurance qu'on peut détruire les corps, mais que la beauté de l'âme et de la musique sont éternelles. Dans ma version culte, celle dirigée par Giulini avec une distribution de légende, Schwarzkopf, Ludwig, Guetta et Giorov, le Liberame, finale du requiem de Verdi, mort, tiens, un 27 janvier, comme un signe du destin. Liberame, délivre-moi Seigneur. Éternelle, synonyme aussi de liberté, on en parlait toute cette matinée. Merci beaucoup Roselyne Bachelot pour cette chronique qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, qu'on podcast sur francemusique.fr. Je vous souhaite une très belle journée, ainsi qu'à vous deux, Omer Boucher et Lise Liu. Merci d'avoir été des nôtres et puis à très très bientôt sur France Musique.